Salut à tous, aujourd'hui je suis trop excitée de vous retrouver puisque je vais ouvrir avec vous mon tout premier swap. Donc je l'ai réalisé avec Noémie de la chaîne Noémie Makeup Touch. Si vous ne connaissez pas encore cette youtubeuse, vous avez vraiment raté quelque chose, je vous assure. Elle respire mais vraiment la joie de vivre, elle est hyper gentille, elle est généreuse, voilà. Franchement cette fille a vraiment un cœur en or et j'étais super ravie de réaliser ce swap avec elle. Donc je n'ai pas triché. J'ai juste ouvert le colis pour ne pas trop galérer devant vous. Je me suis armée de ciseaux au cas où et voilà, j'ai trop hâte d'ouvrir tout ça. Évidemment, je vous mettrai le lien de la chaîne de Noémie en barre d'infos et on commence sans plus tarder. Alors, quand j'ouvre le swap, première chose que je vois, c'est un joli petit mot donc que je lirai après sur un petit papier rose comme ça. Ensuite, il y a plein de... Vous savez, les petits trucs pour protéger. On se croirait à Noël. À chaque fois, je vois les filles quand elles ouvrent leur swap. Vraiment, elles sont trop excitées. Mais c'est vraiment ça. On se croit vraiment à Noël. Je vais en mettre un peu partout. Donc, premier paquet que je vois, c'est celui-ci. Avec écrit « Attention, ça pique ». Donc ça, je pense que ce sont des bonbons. Celle sait que je raffole des bonbons. Et si ce sont des bonbons qui piquent, c'est franchement encore mieux. Parce que vraiment, j'adore ça. L'emballage est super joli avec des cœurs. Ah, trop cool. Des Haribo Miami Pic. Je les ai jamais goûtés en plus ceux-là. 4 goûts en un, voilà, de toutes les couleurs. Donc ça, c'est parfait. Gourmande que je suis, je vais me faire un plaisir de les dévorer. Je te dirai un grand merci à la fin, je pense, parce que je pense que c'est pas super agréable pour vous qui regardez les filles. Ensuite, un petit paquet Sephora. Tu m'en diras des nouvelles, je n'ai pas encore sauté le pas. Présente comme ça avec des petites étiquettes, c'est hyper mignon. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop cool! Un baume à lèvres de chez Clinique. Et Clinique, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Donc, c'est un baume à lèvres hydratant teinté en teinte melon, donc 04. Et c'est trop bien. Clinique, j'ai jamais testé cette marque. Oh, il est trop beau! Ça se présente comme ça. Et c'est une couleur juste sublime. C'est tout à fait ce que j'aime, un nude. Il est hyper joli. En plus, ça peut hydrater les lèvres. Je vais peut-être pas vous faire des swatchs et tout à chaque fois, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais je vous parlerai sûrement de ces produits un peu plus tardivement. Mais c'est génial. Je suis ravie, vraiment trop contente. Ensuite, je sais pas par où commencer. Enfin, il y en a vraiment partout. Je vous montre celui-ci, ce petit rouge-là. On dirait un petit paquet de Noël, c'est trop mignon. Indispensable pour préparer sa peau au soleil. Je crois savoir ce que c'est. Peut-être des gélules pour préparer la peau au soleil. Et ça c'est top parce que moi vraiment j'aime beaucoup prendre le soleil tout en se protégeant évidemment. Et c'est top. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est de la marque Nature Active d'Oriance, Dermonutrition, donc préparer la peau au solaire, améliore la tolérance au soleil. Donc ce sont 30 capsules, donc ça c'est top, vraiment c'est génial, vraiment. Donc ça se présente comme ceci, donc super pour les beaux jours qui arrivent, c'est vraiment super, c'est vraiment une très bonne idée. Ensuite, un autre paquet Sephora avec écrit « J'ai complètement craqué sur la couleur ». Je crois que c'est un vernis au toucher, on dirait un vernis. Ouais. Oh, il est sublime. En plus, c'est un vernis de chez Ciaté et j'ai jamais testé les vernis Ciaté, c'est trop cool. Donc, il se présente comme ceci. C'est le eyeliner. Et il est trop beau. Je pense que c'est vraiment un bleu turquoise pour l'été. C'est super joli. Vraiment, il est trop beau. Les vernis Ciaté, je les ai jamais testés. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais jamais sauté le cap. Et voilà, je suis trop contente. C'est trop bien. Ensuite, encore un petit paquet de chez Sephora avec écrit une nouveauté. Un produit chez Sephora et je voulais trop les tester. C'est une ombre à paupières velours, donc une ombre à paupières crème. Un peu comme tout ce qui est color tattoo et moi c'est limite des produits que j'utilise tous les jours et ça m'a l'air d'être un champagne sublime. Je
pas mettre mes doigts tout de suite là-dedans. Mais il est magnifique, vraiment. C'est le genre de couleur que moi je porte tous les jours, clairement, en base ou même, et même tout seul. Et j'avais trop envie de les tester, ces produits-là. Donc une nouveauté de chez Sephora, c'est waterproof. Donc génial, vraiment je suis ravie de chez Ravie, c'est le genre de produit que j'adore tout simplement. Tu as vraiment fait un sans faute Noémie, vraiment c'est le genre de produit que j'adore. Vraiment je suis trop contente, tu me connais vraiment super bien, tout est top. Donc voilà. Ensuite, un autre petit paquet comme ceci avec Il tira à merveille. Toujours un petit emballage. Hyper mignon, t'as dû bien t'appliquer je crois toute la journée à faire ça. Un collier. Ah ouais, il est trop chou. Je crois que tu me connais vraiment bien. Vraiment au niveau des goûts, on a des goûts assez similaires et t'as vraiment tapé dans le mille. C'est le genre de collier que j'adore, tout simplement. Il est assez sobre mais doré comme ça, j'aime énormément, vraiment. Avec un petit haut pour l'été, c'est hyper joli, vraiment. Il est vraiment sublime. Et il vient de chez H&M si jamais ça vous intéresse. Il est trop beau. J'ai vraiment l'impression d'être à Noël, mais encore quand même. Ensuite, un comme ceci, avec écrit l'odeur des vacances. Donc ça, c'est sans doute un produit au Monoï, peut-être, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est un produit de chez Yves Rocher au Monoï, et c'est clairement l'odeur que j'adore. Ouais, en fait c'est une eau de toilette eau des vaillonnés de la marque Yves Rocher. Je savais même pas qu'ils faisaient une petite eau de toilette comme ça au Monoï. Pourtant Yves Rocher c'est une enseigne que j'aime beaucoup pour les soins. Si j'arrive à l'ouvrir. Il sort tout. Donc ouais, c'est une eau des vaillonnés eau de toilette au Monoï. C'est super vraiment. Au niveau de la contenance, c'est un 100 ml en plus. Alors ça va être mon parfum de l'été, c'est sûr. Ça sent les vacances, c'est horrible. J'ai trop envie de partir. Ça sent mais trop beau. Mais vraiment l'odeur du Monoï, je pense que voilà, c'est une odeur vraiment que j'aime particulièrement. Et donc c'est trop top, vraiment ça va être mon parfum de l'été, c'est sûr et certain. Je vais plus le quitter je crois. Il est trop cool. Et puis ça c'est le genre de produit que moi je ne me serais pas acheté. Donc voilà, je trouve que les swaps c'est aussi ça. Ça vous permet bah, voilà, découvrir des produits qu'on ne s'achèterait pas forcément pour soi. Donc c'est trop top. Ensuite c'est celui-ci. Un indispensable dans ta salle de bain. Voilà. Je vais peut-être pour le bain. Excellent. Oui, c'est vraiment un indispensable pour moi. Si vous me suivez, vous le savez. C'est un shampoing sec de chez Baptiste. Et celui-ci, c'est le blush en plus. Donc je l'aime vraiment beaucoup avec l'original. C'est mes deux préférés. Et c'est trop cool parce qu'on n'a jamais de trop. Donc ça, c'est super. Vraiment. Ensuite, celui-ci je vais le garder pour après. Ensuite, ce paquet, tu m'en diras des nouvelles, j'en rêve. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas du tout, c'est dur de. Je parle en même temps que j'ouvre le paquet, ça va pas le faire. C'est dur d'essayer de deviner, je trouve. C'est un produit de chez Kérastase. Et ça c'est pareil, c'est un produit, enfin le genre de marque que je rêve de tester, mais clairement je peux pas me faire une routine capillaire entièrement avec ces produits. Prendre des ciseaux, ce sera plus simple. Gloss Uphill, donc c'est un vernis de brillance instantané. Mais mon dieu, comme c'est trop bien. Moi vous savez que mes cheveux, bah voilà, c'est un peu une histoire d'amour. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup prendre soin de mes cheveux. Et voilà, et ça c'est génial, un produit Kérastase, mais trop cool. Donc voilà, c'est super, vraiment, c'est une super bonne idée. Et ça, pareil, je ne me serais pas acheté, donc super. Je suis trop contente. Oups, c'est du Kérastase, ça va. Ensuite, l'odeur des vacances. C'est trop chou avec les petits emballages rose pâle, comme ça, j'aime énormément. Ça a vraiment passé du temps et je t'ai amusé à faire ça. C'est aussi un produit au Monoï, je crois. Voilà. C'est un shampoing douche des lagons. Et pareil au Monoï de chez Yves Rocher. Donc ça c'est super, vraiment. Trop bon. Ça sent, je pense que ça sent divinement bon. Tu l'as fermé. Et voilà, c'est le genre d'odeur
Ouais, je vais l'utiliser dès ce soir, je pense. Ça me fera, peut-être que ça fera arriver les vacances un petit peu plus vite. Je ne sais pas, mais voilà, super quoi, c'est trop top, vraiment. Je sais plus où mettre des produits, il y a trop de choses. Ensuite, il me reste deux produits, donc je vais ouvrir celui-là à la fin. Donc là, c'est Tea Time. Et ça, j'ai une petite idée de ce que ça peut être. Ah, trop cool, ouais. C'est des Lipton, donc thé agrumes. Et ça, c'est super aussi. C'est vraiment le genre de parfum que moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour faire un petit thé tranquille le soir, c'est le genre de truc dont on a toujours besoin. Donc c'est sympa, vraiment. Et enfin, on est déjà au dernier produit. Ça passe trop vite. Vraiment, vraiment, vraiment trop vite. Donc c'est un produit de chez Sephora avec écrit « J'en rêve ». Donc voilà, il est trop, trop chou. Je me demande ce que ça peut être, vraiment. C'est le blush Too Faced que je voulais, mais tellement. Mais je le trouve sublime, vous savez, c'est les fameux blushs en cœur et en plus c'est la couleur que je voulais. Donc ça a vraiment tapé dans le mille. Donc voilà, il est sublime au niveau du packaging et la couleur. Oh, il est trop trop belle. C'est ouais, le genre de couleur que j'adore quoi. Et en plus c'est mon premier produit Too Faced et voilà, donc vraiment t'as juste trop trop géré. C'est le produit que je voulais absolument. Et j'espère que toi tu seras contente aussi puisque j'ai également mis un blush Too Faced, mais je lui ai mis la teinte qui était plus corail et il était également sur sa wishlist, donc voilà, je pense qu'elle était aussi contente de le découvrir, mais vraiment trop trop bien. Je le voulais tellement ce produit, mais vraiment. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Il est trop magnifique ce blush. Et bien écoutez, ce soir est déjà terminé, c'était juste un bonheur mais complet, vraiment un grand plaisir d'ouvrir, de déballer tous ces petits cadeaux qu'elle m'avait concoctés, qu'elle avait trop adorablement emballés, c'était juste génial, je suis vraiment vraiment triste que ça soit fini. J'ai lu son petit mot qui est adorable, merci Noémie, vraiment du fond du cœur. C'est vraiment un concept que j'ai adoré réaliser ce soir avec toi, trouver bah voilà, toujours des petits articles quand je faisais du shopping et tout, c'était juste trop trop top, donc voilà. On recommence quand tu veux parce que c'était vraiment un super truc à vivre quoi, tout simplement. J'ai beaucoup aimé et je te remercie mais vraiment du plus profond de mon cœur. Vraiment t'as vraiment mis tout ton beau cœur et toute ta gentillesse à réaliser ce swap, j'en suis certaine, parce que tu m'as vraiment vraiment beaucoup gâtée. Et voilà, j'ai adoré tout ce que tu m'as offert. C'est des produits que j'aurais pas particulièrement acheté pour moi, bah parce que j'aurais pas forcément pensé. Des produits que je découvre, Kérastase, Clinique, ce sont des marques que je ne connais absolument pas. Donc voilà, c'est juste génial. Je suis trop trop contente. Je vais me languir de tester tous ces produits, toutes ces nouveautés pour moi. Et voilà, ça va être juste trop trop top. Donc je te remercie vraiment vraiment et je te fais plein de bisous. De toute manière, on va s'envoyer des petits SMS pour tout ça. Mais voilà, je suis vraiment ravie. Donc voilà. Je vous mettrai encore une fois le lien de la chaîne de Noémie et également le lien de la vidéo, puisqu'elle sera mise également en même temps que moi, la vidéo swap. Comme ça, vous pourrez aller voir sa vidéo si ça vous dit de voir ce que moi je lui ai envoyé, si ça vous plaît. J'espère également que cette vidéo bah voilà, vous aura plu. Je trouve que c'est vraiment un concept superbe. J'adorais toujours regarder les vidéos swap sur les autres chaînes. Et là, c'est vraiment top. J'ai été très très gâtée. Donc voilà. Encore un dernier merci Noémie à toi, vraiment c'était superbe. Et vous les filles, je vous fais de très très gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye !